Vendredi dernier, le monde titrait Océan Viking, l'arrivée à Toulon et la fin d'un calvaire de 3 semaines. Et tu vois, Darmanin, il a tout de suite réagi. Il était là. Comment? L'Italie refuse d'accueillir un bateau de migrants avec des enfants à l'intérieur. C'est inhumain. Jamais je ne laisserai passer ça. Et hop, le bateau arrive en France et Gérald, ça devient gentil. C'est bien foutu. Parce qu'à la base, les migrants, c'est pas son truc, hein, Gérald. Hein. Alors décryptons ensemble ce qui vient de se passer. Quand l'Océan Viking arrive à Toulon, dans le cas d'Darmanin, c'est pas de la gentillesse, c'est de la récupération politique. Nous, on voit un bateau avec des êtres humains en détresse et lui, il voit une opportunité. Toi, tu vois quelqu'un qui boit, tu te dis, tiens, comment je pourrais l'aider? Gérald dit, tiens, comment il pourrait m'aider? C'est du génie, parce qu'une semaine après, quand les médias n'en parlent plus, bim, il en envoie 44. Et là, il est capable de nous dire... Bah, il met dans un casting... Vous savez, tout le monde n'est pas pris. Ta gueule! Et encore, ça c'est de la récupération de niveau 1. Niveau 2, t'as Marine Le Pen. Je cite, avec moi, on les ramènerait tous dans leur pays. Niveau 3, Zemmour, avec moi, ils ne seraient même pas partis de leur pays. Après, moi, j'y connais rien, j'ai pas la solution. Et je peux te dire que s'il y a le feu dans mon immeuble, le premier réflexe que j'ai, c'est de bouger mon cul et d'aller toquer à la porte de l'immeuble d'en face. Bon, bah, je te cache pas que j'aimerais bien que quelqu'un ouvre la porte. Et tu vois, le jour où ça arrive à Marine, eh ben, j'aimerais bien qu'on lui ouvre la porte aussi. Mais pour le fun, j'aimerais bien qu'il s'appelle Nordine ou Mustapha.